Bonjour. Donc, écoutez, moi, je tiens à vous présenter donc mes vœux pour cette nouvelle année. Depuis que nous sommes élus, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir effectivement rencontrer la population, et ça, je le regrette énormément. J'aurais vraiment pouvoir souhaiter mes vœux de vive voix à la population, mais comme c'est pas possible de visu, ben on va le faire par. On a la chance d'avoir Eva News qui nous permet effectivement de pouvoir présenter nos vœux directement au public, et donc je vous en remercie vivement. Et on va utiliser donc ces nouveaux moyens de communication. Donc, je présente mes voeux à tout le monde, et je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente année 2021, qu'elle soit surtout beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse que n'a été 2020, qu'elle soit beaucoup moins compliquée au niveau personnel et au niveau professionnel. Pour tout le monde, parce que je crois que c'est très difficile, ce sont des moments qui sont compliqués et qui sont encore plus compliqués pour l'installation d'une nouvelle équipe municipale. Voilà, donc la tâche est déjà pas simple, mais dans un contexte tel que celui-ci, j'avoue que c'est quand même la tâche est un petit peu ardue. Voilà, mais notre équipe a l'habitude de se retrousser les manches, a l'habitude de travailler, et donc c'est d'arrache-pied que nous avons pris notre mission à bras le corps, et que nous allons essayer de continuer malgré cette crise sanitaire qui nous complique beaucoup la tâche. Voilà. Donc, ce que je peux vous souhaiter à tous et à toutes, c'est de trouver dans la nouvelle équipe municipale un nouveau dynamisme pour cette ville que je qualifierais aujourd'hui de ville une belle endormie, je dirais. Nous espérons que nous allons pouvoir, dans les mois à venir, vous montrer nos réalisations, ce que nous avons envie de faire, ce pourquoi nous avons été élus, je pense, pour essayer donc de faire que le Lardin, cette commune qui m'est très chère, puisse enfin avoir, je dirais, retrouver une vraie vie économique, sociale et culturelle que l'on a un petit peu oubliée ces temps-ci. Voilà, donc ça va passer par des réalisations évidemment qui sont notamment en ce qui concerne la salle des fêtes, va être la première réalisation que l'on va faire, qui est une réalisation importante et qui, je pense, sera la réalisation de notre mandature avec un investissement énorme. Voilà. Et au travers de ça, donc, nous avons aussi donc déjà bien réfléchi, et des travaux vont déjà commencer cette année. Notamment avec la réalisation donc d'un terrain multisport pour les adolescents, la sécurisation des abords du stade de rugby avec la création d'un parking. Donc ça, ce sont des projets qui vont être menés à bien. Et la municipalité aussi s'attache à développer certains projets qui ne seront pas menés par la municipalité, mais pour lesquels je dirais qu'elle est le relais et le lien et le porteur de projets, où on facilite, en tout cas on est les facilitateurs entre notamment des acquéreurs et des complexes qui sont aujourd'hui vétustes ou laissés à l'abandon et qui ont été pendant de nombreuses années laissé à l'abandon. Voilà, donc je crois que bientôt des nouvelles réalisations vont avoir le jour. Je ne peux pas encore m'avancer concrètement puisque les contrats sont pas signés, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment en bonne voie. Voilà, et que je pense que le Lardin, d'ici un an et demi en tout cas, commencera à avoir une autre physionomie. Voilà ce que je peux dire. Donc je pense que pour cette année, qui, je le répète, est quand même très compliquée pour tout le monde, je souhaite à tous et à toutes d'avoir de la sérénité surtout aussi, parce que je crois que cette commune, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque, la sérénité, la convivialité et l'envie de travailler ensemble. Voilà, donc ce que j'explique aux équipes avec qui je travaille, donc que ce soit les employés, les gens qui travaillent autour de moi, je crois qu'il faut qu'on avance ensemble, qu'on construise un projet
pour cette commune, pour du moins les 6 ans à venir, et qu'on avance tous ensemble, aussi bien, donc, comme je l'ai dit, avec les différentes structures que sont le centre municipal de santé, que sont la crèche, que sont les services techniques. Nous sommes tous dans le même bateau et nous avons, il y a certes un chef de file, mais j'ai besoin de tout le monde et nous avons besoin les uns des autres. Et nous devons travailler tous ensemble et la main dans la main. Et ça, c'est le message que je veux donner. Et j'aimerais qu'on avance effectivement tous ensemble et qu'on ne croit pas qu'il y ait qu'un chef dans le bateau. Et ce n'est pas ma conception en tout cas. Voilà. Et donc je voudrais associer l'ensemble aussi de la population à nos projets. Et donc ça, je m'y attacherai en tout cas tout le long de ce mandat. Voilà, donc voilà un petit peu le message que je voulais passer, que je, dans ce début d'année, où c'est pour nous, comme je vous le répète, quand même très compliqué, puisqu'on est coupé quelque part de la population, et ça, moi, personnellement, je le vis très mal. Voilà, parce que depuis que j'ai été élue, j'ai l'impression d'être enfermée dans mon bureau, avec nos équipes, et de ne pas avoir de contact avec les gens, ça me manque énormément, voilà. Voilà, donc j'espère les retrouver très sincèrement rapidement et je leur demande, bah, surtout je vous demande de bien prendre soin de vous, de faire attention à vous afin que l'on puisse retrouver une vie associative, une vie culturelle et économique le plus rapidement tous ensemble et puis qu'on avance, comme je l'ai dit, dans une seule direction. Voilà. Tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas et j'espère eh bien, à très bientôt parce que voilà le temps maintenant je crois que ça pèse pour tout le monde et je crois qu'il faut qu'on sorte de cette crise sanitaire très rapidement. Voilà.